Ah, je vais devoir combattre. Verte comme la flambée, mais dure et brillante. Je me demande si ça intéresserait des marchands. Je crois que je peux escalader cette falaise. Je me demande s'il y a quelque chose d'intéressant au sommet. Doit être Skorok. Joruf a dit que je pourrais améliorer mon arc ici. Je peux peut-être aussi bricoler mes autres. Les fouisseurs ont dû... Une machine morte. Sûrement un fouisseur. Peut-être qu'Eren s'en est occupé. Le sol est gorgé d'acide. Ce sont les fouisseurs qui ont fait ça. L'acide rongerait rapidement le métal. Trouver une autre entrée. Cette porte est fermée aussi. Il y a une ouverte. Une étrangère approche. C'est la sauveuse. Est-ce que tu veux entrer, sauveuse ? Bienvenue à Skorok, sauveuse. Allez, ouvrez-moi. Ordre de Joruf. Ça me convient.
forge. Petra? Aloy, qu'est-ce que tu fais ici? Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez. Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève... Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Skorok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. Un notaire, ça ne concerne pas. Le problème des fousseurs concerne tout le monde. T'en as entendu parler? Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binouse fraîche. Petra. Je ne fais que passer. Je vais vers l'ouest. Ah. Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnard aura bien lieu, et ensuite... je continue. Ah, bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu. Si tu dois partir... j'ai été ravie de te voir. Petra... mais si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie, à ta guise. Cet Ulvund a un don pour les embrouilles. Petra a peut-être besoin d'un coup de main. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. Ne laisse pas Petra t'entendre dire ça. Elle risquerait de te faire la peine. Nora, et moi je suis beau. Voilà peut-être enfin quelqu'un qui tient mieux l'alcool. Pourrait m'être utile. Il me reste à trouver Eren pour l'aider à éliminer les fouisseurs. C'est pour ça qu'on s'aventure aussi loin que nos pieds nous le permettent. Ça vaut toujours mieux que de traîner avec des chevins. Tu voulais me parler? Moi alors, tu sais mieux que personne que le monde est plein de dangers. Et je ne parle pas que des machines. Je suis Odurg. Ceci est ma fosse d'entraînement. C'est le meilleur endroit pour t'entraîner au combat rapproché dans l'Ouest prohibé. Dis, je me demande qui gagnera le combat. Toi, sauveuse de Méridien, championne de l'Est, ou l'implacable, maîtresse de l'Ouest? Qui? L'implacable, une guerrière Ténac légendaire, la maîtresse des maîtres. J'ai entendu dire que les Ténac ont des fosses d'entraînement comme celle-ci. C'est pour ça que leurs combattants sont si redoutables. Et seuls les meilleurs combattants des fosses peuvent s'entraîner avec l'implacable. Donc pour trouver l'implacable, je cherche les fosses d'entraînement si jamais je vais là-bas. Tu devras aller loin pour ça. Les Ténac sont divisés en 3 clans. 3 clans, 3 capitales, 3 fosses d'entraînement. Je suppose que tu dois toutes les dominer si tu veux t'entraîner avec l'implacable. Si les Ténac ne te tuent pas avant, bien sûr. Mais c'est un bon jet d'étincelle d'ici, alors en attendant... je propose aussi des défis pour tester tes compétences. Et je combattrai qui, au juste? Toi? Bon, je sais très bien que tu es la sauveuse. Mais tu vas devoir battre tous les autres avant de me défier. C'est les règles. On n'utilise que des lames émoussées et des flèches d'entraînement. Cette bande d'ivrognes serait capable de s'éventrer, sinon. Tu vas devoir laisser tes affaires à la porte, sauf ta lance et tes flèches d'entraînement. Mais je surveillerai ton équipement, t'en fais pas. Alors, qu'est-ce que t'en dis?
Tu veux t'entraîner? Peut-être. Ça, c'est ce que j'aime entendre. Les gères sont rapides, mais faciles à parer. Alors apprends à les combiner avec d'autres attaques. Brisent les parades d'armes et font plus de dégâts. Mais elles sont lentes. Tes adversaires risquent de contre-attaquer. Les attaques puissantes détruisent les parades d'armes pour faire de gros dégâts à l'ennemi. Elles sont lentes et t'exposent au danger. Il faut choisir le bon moment. Je suis content de te revoir ici. Qu'est-ce que je peux faire ? Porter ton ragoût pour aller dans les terres sauvages. Ça m'a suffi pour toute la semaine. Je suis sûr que j'aurais pu étrangler un galopeur à main nue. Profite tant que ça dure. On dirait que tu proposes des plats exceptionnels. Ah, c'est pas vrai. Tu peux avoir la remise aussi, mais il va falloir revenir plus tard. Je crois que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Ulvun qui t'envoie ? Non. Oh. Je te demande pardon. C'est juste que l'Arbin n'arrête pas de me harceler. Et en plus, mon grill spécial vient de rendre l'âme. C'est le coup de feu en ce moment. Tu peux peut-être me dire directement ce que tu voulais ? Un de tes plats ? Bien sûr. Les gens d'Ulvun te créent des ennuis ? Oh oui. Ils réclament sans arrêt mes spécialités. Mais l'équipement dont j'ai besoin pour ces plats n'est pas conçu pour les grandes quantités. Je te parle même pas de la remise Ulvun à laquelle il croit avoir droit. Et si tu refusais ? Je crée des plats, pas des embrouilles. Comment tu t'es retrouvé à Skorok ? J'ai entendu parler d'une nouvelle ville fondée tout près de la frontière. Là où il y a une ville, il y a une taverne. Et je cherchais du travail. Alors, je suis venu ici et je me suis mis à cuisiner. Il y a des gens ici qui n'avaient jamais goûté un vrai ragoût de sanglier au baie. Enfin bref, en un rien de temps, j'ai eu des clients réguliers. Ils devaient aimer ma cuisine. Ou la bière. D'après ton dernier client, ta cuisine l'a bien aidé dans les terres sauvages. Là où je vais, j'aurais besoin de ça. Ce serait avec le plus grand plaisir, d'autant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais mon grill spécial à rainures est cassé. Sans lui, je ne peux plus cuisiner aucune de mes spécialités. Je ne veux pas savoir ce qui se passera si je dois renvoyer Ulvun, ou c'est l'Arbin. Même si j'avais déjà les bons ingrédients, je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il te faut quoi ?
Comme ingrédients. Quelques morceaux de gibier et une grosse poignée de tiges de Vernoni. Ça suffirait. Et pour ce qui est du grill, je me débrouillerai avec une plaque de métal, en attendant d'en faire forger un autre. T'en trouveras dans les réserves d'un pillard, si tu longes la rivière au nord-est. T'en fais pas, je la nettoierai, bien sûr. Tu n'auras aucun mal à trouver du gibier et de la Vernoni. Si ta tenue de chasseuse-cueilleuse n'est pas uniquement décorative. Merci, Milduf. Je vais voir ça. Alors, c'est donc ça la gratitude. Et ne laisse personne abuser de toi, d'accord ? Je vais essayer. Qu'est-ce que tu veux, Ulvund ? Un genre de rétribution ? Mon très cher magistrat, tu crois pouvoir m'acheter ? Si tu veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs et signe le contrat de concession. Admets-le, tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse, quel sens de l'à-propos ! Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'Hélium ? Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Eh bien, la sauveuse en personne. La pourfendeuse de Derval, l'éventreuse d'Hélys. Peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses, redoutable Amazone. Ulvund le rentier, à ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher au soie et au vin de Méridian pour venir dans cette pitoyable colonie ? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade ? Par la forge ? Ah, ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville. Digne de ma précieuse attention. Ah, les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein ? Allez, file. Pas si vite. Tu n'as pas l'air d'avoir une haute opinion du magistrat. Eh bien, je refuse de cirer les pompes d'un gratte-papier vêtu d'habits de soie. Alors que mes camarades se font rudoyer, intimidés et exploités allègrement. Quelle noblesse. Noblesse ? Je suis né un marteau à la main, moi. Personne ne m'a rien donné. Et personne ne m'a pistonné de toute ma vie. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai accompli seul. Et où est ce marteau, maintenant ? Le fardeau du commandement m'a forcé à le mettre de côté. Ça ne coûte rien au Karja. D'exiger que les braves travailleurs au Séram mettent leur vie en danger. Il faut que quelqu'un se lève et dise « ça suffit ». C'est toi qui as ordonné la grève ? C'est moi, en effet. On est des ouvriers, pas des soldats. Tant que les Karja n'auront pas chassé le danger et amélioré nos conditions, je ne risquerai pas la vie des au Séram. Tu veux dire signer ton contrat de concession ? Ce n'est pas mon contrat. Il a été rédigé au nom de tous les braves ouvriers au Séram de cette terre, qui doivent travailler comme des machines pendant que les Karja se remplissent les poches. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est profiter de cette prospérité, celle d'une terre travaillée par le peuple, pour le peuple. D'accord. Et quelle serait ta part, au juste ? Elle correspondra à mes contributions à la communauté. Et rien de plus, bien entendu. Où est le sifflet ?
En plein centre de la ville. Mais vu la situation, je refuse de mettre en danger des Océram innocents. Je vais éliminer les fouisseurs. Et quand j'aurai fini, la vie reprendra dans la vallée. S'il le faut. En attendant, je continuerai de veiller sur la sécurité de ces braves gens. Toi, tiens-toi prêt à siffler. Je devrais aller voir ce que voulait ce magistrat Karja. Il doit être à la taverne. C'est arrivé. C'est à cause de cette foutue mine. Il y aura d'autres blessures si Ulvun continue de trafiquer dans ces tunnels. Quelle mine? Au nord-est de Skorok, au bout de la rivière. J'ai dit à Corvend qu'on devait arrêter dès le premier effondrement. Mais Ulvun a dû le menacer de réduire notre paye. Au pire... Tu veux bien ralentir et me raconter tout ça? Tu as parlé d'une blessure lors d'un effondrement. Ouais, il y a 2 jours. C'est là que je me suis blessé à la jambe. Corvend et les autres ouvraient une nouvelle veine pendant que je travaillais sur une autre. Dès l'explosion dans leur tunnel, le mien s'est effondré. J'aurais peut-être pu esquiver si j'avais dormi plus d'une étincelle. On nous en demande bien trop et trop vite. Et tu as peur que Corvend et les autres aient moins de chance si jamais ça se reproduit. T'as tapé en plein sur l'enclume. Pourquoi c'est Ulvund qui dirige la mine? Je croyais qu'elle appartenait au Karja. Va donc dire ça à Ulvund. C'est lui qui a financé l'ouverture de ces mines. C'est un peu les siennes. Par le feu et la braise. À ses yeux, on lui appartient aussi. Qui est Corvend? Notre contremaître. Et il est vraiment bon. Il sait comment gérer la direction quand les demandes sont déraisonnables. Mais Ulvund... il en demande encore bien plus que ça. Corvend fait de son mieux pour l'apaiser. Il se croit même responsable de ma blessure. Mais c'est Ulvund qui a allongé nos horaires. On dirait que c'est un type bien. C'est pour ça qu'on supporte ses horaires et ses conditions de travail. Mais si la mine devient instable... je préfère subir la colère d'Ulvund qui est enterrée sous les gravats. Je peux aller voir tes collègues, si je passe par là. Ce serait sympa. Merci. Sauveuse, merci de m'accorder du temps, et navré que tu aies eu à endurer la logorée d'Ulvund. J'ai connu pire. J'ai l'impression qu'il essaie de te rendre coupable de tout. L'idée même que les Karja aient laissé volontairement des fouisseurs entrer dans les couards, c'est... c'est complètement ridicule. Mais plus il le répète à qui veut l'entendre, plus il aura de soutien pour son fichu contrat de concession. Comment les fouisseurs sont entrés dans les couards? Nul ne le sait, à vrai dire. Les premiers ont été signalés, il me semble, à l'ouest de la carrière. Mais à moins qu'ils aient appris à voler, je ne vois pas comment ils auraient pu traverser la montagne. Il n'y a pas d'autre passage. À ma connaissance, Cagnard est le seul chemin. Écoute, si tu parviens à élucider ce mystère, je t'offrirai une récompense conséquente en échange. Aide-moi à faire taire Ulvund. Parle-moi de ce contrat de concession que veut Ulvund. Il souhaite que l'Hélium déclare certaines parties des Quar propriété des Océram. Pas la totalité, bien sûr, seulement les zones rentables. Laisse-moi deviner, il espère en tirer un profit personnel. Exactement.
Une fois la loi des Oseram instaurée, il pourrait tirer encore plus de bénéfices des nombreux commerces. Il n'aura pas ses investissements sans la concession ? Non. Pas tant que l'Hélium a encore des chances d'en révoquer l'accès. Voilà, c'est pourquoi la concession est si importante pour lui. Et c'est pourquoi le fait d'accuser les Karja pour ses fouisseurs, bien que cela soit ridicule, lui rend un grand service. Comment tu t'es retrouvé ici ? J'ai demandé ce poste, crois-le ou non. Superviser l'ensemble de cette vallée au nom du Roi Soleil, c'était un honneur. C'est un honneur, je veux dire. Mais ta tâche serait beaucoup plus simple si Ulvund ne soufflait pas sans arrêt sur les braises. Ulvund ne partira jamais. Il était ici bien avant moi. Il se prend même pour le fondateur de Skorok. Je trouverai le moyen de vivre avec lui. Il le faut. Les fouisseurs ont été vus pour la première fois à l'ouest de la carrière ? Oui, c'est ce qu'a raconté un ouvrier terrifié. Il a dit que le sol avait tremblé avant qu'il ne lance la charge depuis les collines. Il s'est enfui et il est revenu jusqu'ici. C'est un bon point de départ, alors. Découvre la vérité. Et peut-être qu'Ulvund cessera d'accuser les Karja de tous les maux qui nous accablent. Et peut-être aussi qu'il concentrera son attention sur la reconstruction de Kanyar. Bien par sécher en marchant. On dirait que la Vernonie apprécie les sols rocailleux. Bon, j'ai suffisamment de Vernonie. Ça pour un cuisinier.
vue. C'est utile pour faire des teintures. De la fumée. Ça vient de là où Arnouf a dit que se trouvaient ses collègues. C'est sûrement la mine dont Arnouf m'a parlé. On dirait que les mineurs ont des problèmes. Ça doit être le contremaître dont Arnouf m'a parlé. Je devrais aller le voir. Ça va ? Je vais bien. Merci, Corvend. Corvend ? Arnouf m'envoie. Je... Pas maintenant. Ah ! Doucement. Dis-moi tout. Une explosion dans la mine. L'eau a tout englouti. Certains de mes hommes sont toujours en bas. Je dois continuer. Tu en as fait assez. Tu es blessé ? Ça ira. Les autres... Pitié.
Dis-moi exactement ce qui s'est passé. On a fait des explosions maîtrisées pour ouvrir de nouvelles veines. Une d'elles a du mal tourner. Je dois y aller. Il en reste combien à l'intérieur ? Corvend, combien ? Deux, je crois. Oui, deux. Je vais faire mon possible. Il faut trouver ces deux mineurs, vite. N'a pas l'air en forme. Je crois que je commence à halluciner. Laura ici. Vous allez bien ? Qui es-tu ? Corven m'envoie. Vous êtes blessé ? Ah ! Ma jambe ! Ah ! J'étais trop près de l'explosion. Qu'est-ce qui s'est passé ? On faisait des explosions dans le tunnel du fond, mais l'échafaudage n'a pas tenu. Il s'est effondré. Je crois qu'il a bloqué le puits de drainage. L'eau a envahi le réseau aussi vite que la bière dans mon gosier. J'ai à peine eu le temps de nous traîner ici. Alors quelque chose empêche l'eau de sortir des tunnels. À quoi tu penses ? J'ai une idée. Il reste des explosifs ? Non mais t'es dingue ! Oui, il doit en rester en haut, mais... Tu vas avoir besoin de ces mèches. Non mais vous êtes dingue ! Tu ne peux pas bouger. Et je ne te laisserai pas ici. Tu ne pourras pas empirer la situation. Ne bougez pas d'ici. Il faut que je trouve ce qui bloque ce puits de drainage et que je fasse sauter le barrage. En espérant que ça ne fasse pas s'effondrer toute la mine. Voilà les gravats qui bloquent le puits. Si j'arrive à accéder aux explosifs sur ces voies, je pourrais faire sauter le barrage.
je trouve le bon creuset, je pourrai apprendre à pirater cette machine. Maintenant, il faut que je sorte de cette pièce. Faut que je trouve un moyen de grimper jusqu'à ces explosifs. Je devrais suivre ces rails, voir s'ils me mènent aux explosifs. Voyons où ça mène. Voilà les explosifs, sur les voies. Il faut que j'aille traverser. Je devrais peut-être faire tomber cette échelle. Ça a attiré son attention. Thank you.
voir ces mineurs. Non, c'est rien. T'as réussi. J'ai cru que t'avais explosé. Vous allez pouvoir vous débrouiller. Je peux faire descendre cet abruti. T'en fais pas. Merci, petite. Dire à Corben que ces hommes vont bien. Allez, on grimpe. Ça fait rien du tout. Les deux dont tu parlais. Ils vont bien, mais ils auront sûrement besoin d'aide. Les autres vont bien ? Oui. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si tu n'étais pas arrivé. Je savais qu'on faisait trop d'explosions, mais celui qui dirige tout ici, Ulvund, n'arrêtait pas de me mettre la pression. J'essayais de protéger mon équipe de toutes ses exigences, jour après jour. J'aurais dû être plus fort. Tu as été là pour tes hommes quand ils en ont eu besoin. Ce n'est pas rien, tu sais. Ulvund peut me menacer tant qu'il voudra. Je ne laisserai pas Megar retourner dans ses mines. Est-ce que ça ira ? Oui. Je vais me débrouiller. Je te dois une faveur. Le nom d'Ulvund revient sans arrêt. Et jamais sous un bon jour. Tôt ou tard, quelqu'un va devoir s'occuper de lui. Merci, chasseuse. Je vais aider les derniers à sortir. Bon, allons-y. Merci, chasseuse. Je vais aider les derniers à sortir. De l'eau. Thank you.
débarrasser de gibier pour Mildu. Machine est venue à la jambe. Je suis sûre qu'un cuisinier pourrait en faire quelque chose. Bon, maintenant je dois chercher une plaque de métal dans les tas de pièces. De métal. Allons voir dans un autre tas. Je crois que j'ai tout ce dont Mildufa a besoin. Ça tombe bien, je commence à avoir.
Elle est un peu sur moi.